sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais ce moment la voix blessée à mort. Et voici les traces de sang. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même. Et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. Oh, oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule? Ne me touchez pas, ne me touchez pas. N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas. Oh, sous cette terre. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ou je te jette à vous. Je vais essayer de la prendre. Vous avez fui.
Pas possible, Mélisande, venez, donnez-moi la main. Oh, ne me touchez pas! Ne criez pas, je ne vous toucherai plus, et venez avec moi. Voici ce qui n'est plus
ce que nous ne voyons jamais que l'envers des destinées, l'envers même de la nôtre. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici. J'avais cru le rendre heureux en le voyant demander la main de la princesse Ursule. Sa famille était triste d'être seul. Et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres, à de vieilles haines. Il ne l'a pas voulu ainsi. Qu'il en soit comme il a voulu. Thank you.
souvent m'asseoir ici vers midi, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Ouvrez les yeux des aveugles, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles. Depuis que le roi est doué, aveugle lui-même, on n'y vient plus. Celui-ci, on n'entend rien. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entend les dormirons. Voulez-vous asseoir au bord du bassin du bar? Il y a diable, le soleil.
sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela s'est passé. Je chassais tranquillement dans la forêt. Mon cheval s'est emporté tout à coup, sans raison. A-t-il vu quelque chose d'extraordinaire? Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au troisième coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis tombé et lui doit être tombé sur moi. Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était déchiré. Pleures-tu tout à coup? Je suis... Je suis malade ici. Tu es malade. Qu'as-tu donc? Qu'as-tu donc, Mélisande? Je ne sais pas. Je suis malade ici. Quelqu'un t'a fait du mal, et un noir est-il offensé? Non, non, personne ne m'a fait le moindre mal. Ce n'est pas cela. Et tu dois me cacher quelque chose. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Peut-être, je crois qu'il ne te parle pas souvent. Si, il me parle parfois. Il ne m'aime pas.
faut pas lui en vouloir. Il a toujours été ainsi. Il est un peu étrange. Il changera, tu verras. Il est jeune. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce donc? Voir le ciel. Voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis l'été n'est-il pas là? Tu vas voir le ciel des jours. Et puis l'année prochaine. Voyons, donne-moi ta main. Donne-moi tes deux petites mains. Oh, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens. Où est l'anneau que je t'avais donné? Oui, la bague de nos noces. Où est-elle? Je crois qu'elle est tombée. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue. Oh, elle est tombée. Elle doit être tombée. Mais je sais où elle est. Où est-elle? Vous savez bien. Vous savez bien. La grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien, c'est là. Le tombe ce soir-là. Oui, oui. Dépêche-toi! Je n'ose pas aller seul!
Vas-y avec la porte qui. Mais il faut y aller tout de suite, mon petit. Dépêche-toi, le monde a payé à s'y aller avec toi. Fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Pélias mieux que toi. Vas-y, à ta foi. Je ne dormirai pas avant la malade. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Passion.
tu avais de la lumière. J'ai ouvert la fenêtre, il fait trop chaud dans la cour. Il fait beau cette nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Il y aura jusqu'aux lèvres, je les sourds.
Ici. Ce que je fais ici, je... Vous êtes des enfants, mais sonne, ne te penche pas ainsi à la fenêtre, tu vas tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants? Quels enfants?
légère est pénétrée dans ces souterrains. Si, une fois, dans le temps, mais il y a longtemps. Eh bien, voici l'eau stagnante dans le palais. Sentez mon odeur de mort qui monte jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. Oh,
verre Mélisande à une fenêtre de la tour. Oui. Elles se sont réfugiées du côté de l'ombre. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est passé et ce qui s'est dit hier au soir. Je le sais bien, ce sont l'âge d'enfant. Mais il ne faut pas que cela se répète. Elle est très délicate et il faut qu'on l'aménage d'autant plus qu'elle sera peut-être bientôt mère. Et la moindre émotion pourrait amener un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Plus âgé qu'elle, il suffira de vous l'avoir dit. Évitez-la autant que possible, mais sans affectation d'ailleurs, sans affectation. Asseoir ici, Guignol, viens sur mes genoux. Nous verrons d'ici ce qui se passe dans la forêt. Je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi. Tu es toujours chez petite mère. Nous sommes tout juste assis sous les fenêtres de petite mère. Elle fait peut-être sa prière du soir en ce moment. Mais dis-moi, Guignol, elle est souvent avec ton oncle Pélias, n'est-ce pas? Oui, oui, toujours, petit père, quand vous n'êtes pas là. Mais on m'a dit qu'il ne s'aimait pas. Il paraît qu'il se querelle souvent. Non, est-ce vrai? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Ah, ah. Et à propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte. Qu'est-ce que tu racontes là? Ouverte. Qui ne veut pas
qu'elle soit ouverte. Voyons pour passer par elle et tire. Je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. Je ne te parle pas de la lumière, je te parle de la porte. Ne mets pas ainsi la main dans la bouche. Voyons. Petit père, je ne le ferai plus. Voyons, pourquoi pleures-tu maintenant? Est-il arrivé? Oh, mon père, vous m'avez fait mal. Je t'ai fait mal. Où t'ai-je fait mal? C'est sans le vouloir. Ici, ici, à mon petit bras. C'est sans le vouloir. Voyons, ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose demain. Par quoi les flèches? Mais dis-moi ce que tu sais de la porte. De grandes flèches? Oui, de très grandes flèches. Mais pourquoi ne veulent-ils pas que la porte soit ouverte? Voyons, réponds-moi à la fin. Non, non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer. Pas de t'il faut qu'ils sont ensemble. Elle est assez petite mère. Oui, te crois pas de t'il. Et que disent-ils de toi?
comme mon père l'a dit, tu ne me verras plus. Ne dis pas cela, Pélias, je te verrai toujours, je te regarderai toujours. Tu auras mon regard, je serai si loin que tu ne pourras plus me voir. Que dit l'arrivée, Pélias? Je ne comprends plus ce que tu dis. Pélias est sauvé et que la maladie, la vieille servante de la mort a quitté le château. À peu de joie et à peu de soleil, faut en faire entrer dans la maison. Il était temps, car depuis ta venue, on a vécu ici qu'en chuchotant autour d'une chambre fermée. Et vraiment, j'avais pitié de toi. Je t'observais, tu étais là, insouciante peut-être, mais avec l'air étrange et égaré de quelqu'un qui attendrait toujours un grand malheur au soleil dans un beau jardin. Je n'ai pas prié autour de lui des
reste-t-il là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Et cependant, le vieillard a besoin quelquefois de toucher de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour croire encore à la trésor de la vie. Il oignit un moment les menaces de chose dans mes yeux, sans que je voie quelque chose dans les vôtres. Croyez-vous que je cherche quelque chose? Croyez-vous ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être riches. Je n'y vois qu'une grande innocence. Cependant, je suis
tes yeux, une grande innocence, plus que de l'innocence. Je dis une chose très simple. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas? Ah ah! Ne cherchez pas de fuir ici! Donnez-moi cette main! Ah! Vos mains sont trop chaudes! En déposant votre chair, mettez goutte! Allez-vous-en! Il ne s'agit plus de fuir à présent! Vous allez me suivre à genoux, très en bas! Ah ah! Vous lâchez pas, ça vous prendra quelque chose! À droite et puis à gauche et puis à droite! Thank you.
Moi.
Fantasia, tira ma fama fia.
semble pas heureuse. Si, si, je suis heureuse. Thank you.
oiseau ne serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon bon seigneur. Ne vous désolez pas ainsi, et puis il n'est pas dit que nous ne la sauverons pas. Non, non, il me semble que nous nous taisons trop malgré nous dans sa chambre. Ce n'est pas un bon signe. Regardez comme elle est noire. Lentement, lentement. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Est-ce que ce n'est pas à faire Il ne te veut pas le moindre mal, sois-en.
ces manières d'assaut, mes pauvres amis. Je laisserai la porte grande ouverte à la sauce de mort. Je voudrais lui dire quelque chose, sans cela je ne pourrai pas mourir. Thank you.
Ce que toutes ces femmes viennent faire ici, ce sont les servantes. Et est-ce qui les a appelées? Ce n'est pas moi. Que venez-vous faire ici? Personne ne vous a demandé. Que venez-vous faire ici? Mais qu'est-ce que c'est donc? Répondez! Contre, en ce moment, il
Pauvre petit être, mystérieux.